Salut et bienvenue dans cette vidéo de Nathanaël Lompamé. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un expert pour lancer un business sur Internet. En fait, ce qui se passe et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes me disent souvent, Nathanaël, je ne suis pas un expert pour faire ce que tu es en train de faire. En fait, ce que je fais, c'est que moi, je développe plusieurs sources de revenus passifs. Je crée des systèmes qui travaillent pour moi sur Internet. Il y a une voiture qui fait du bruit. Donc, je crée pour moi des systèmes qui travaillent sur Internet et qui génèrent des revenus même lorsque je dors. Et quand j'en parle, j'ai beaucoup de personnes. J'ai même des amis à moi, des gens qui me connaissent depuis ma toute enfance, qui me disent, Nathanaël, nous, on ne peut pas faire ce que tu fais parce qu'on n'est pas expert, on ne connaît pas comment ça marche le business que toi tu es en train de faire. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un expert et pourquoi c'est parce que vous n'êtes pas un expert que vous allez vraiment réussir. Alors là, je vais chez le coiffeur. Donc là, je vais un peu chez le coiffeur. Je vais prendre environ 30-40 minutes et après je vous retrouve, je vais vous dire vraiment, vous allez voir pourquoi vraiment vraiment vous n'avez pas besoin d'être un expert. En attendant, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir mes vidéos et surtout activer les notifications. Donc on se retrouve après mon coiffeur et vous allez voir pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un expert pour développer un business ou pour lancer plusieurs sources de revenus passifs en ligne. À très bientôt. Voilà, je reviens de chez le coiffeur. Donc maintenant, on va voir pourquoi vous n'avez pas besoin d'être expert pour lancer votre business. Alors, j'enlève la casquette, vous allez voir. Regardez, le principe, il est là. Regardez bien, regardez là. J'espère que vous avez vu. Et si vous n'avez pas vu, je vous laisse quelques minutes réfléchir. Ne trichez pas. Vous avez vu, vous avez remarqué ou pas? Donc, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas besoin. Moi, je vais faire un truc. En fait, je vais me laver. Je vais enlever tout ce qu'il y a comme déchets sur ma tête. Et on va voir vraiment pourquoi vous n'aviez pas besoin d'être un expert. En fait, généralement, les gens pensent qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup d'expertise pour lancer un business. Mais ce que vous allez apprendre dans cette vidéo aujourd'hui, elle peut changer votre vie à tout jamais parce que ça va vous permettre de lancer à chaque fois un business dès que vous allez avoir une idée. Donc, regardez bien la coiffure parce que le principe se cache dans cette coiffure. Allez voir dès le début, lorsque je ne m'étais pas coiffé, et revenez voir après ce qui s'est passé. Et moi, je vous dirai pourquoi lorsque j'ai fini de prendre ma douche. Voilà, maintenant je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un expert pour créer votre business. Au début de cette vidéo, je vous ai montré ma coupe de cheveux, premièrement ma coupe de cheveux avant le coiffeur et deuxièmement ma coupe de cheveux après le coiffeur. Et j'ai fait exprès parce que les deux étapes ont une importance pour cette vidéo. Donc, en fait, je vis quelque part ici à Lyon, dans le 8e arrondissement. Et ce que je remarque, ce que j'ai remarqué, eh bien, quand je suis arrivé, je cherchais un coiffeur, quelqu'un pour me couper les cheveux à chaque fois que j'en aurais besoin. Et quand j'ai cherché aux alentours, un peu partout, j'ai découvert, donc ça fait 4 ans maintenant, j'ai découvert un monsieur il n'est pas trop loin. Et qui coupe des cheveux, et donc c'est un coiffeur qui est un expert dans son domaine, pardon, dans son domaine. Donc c'est un Français qui coupe des cheveux aux gens, qui coiffe beaucoup de personnes. Mais quand il m'a coiffé, eh bien j'ai été dégoûté. Pourquoi? Eh bien parce que mon coiffeur n'est pas un expert
qui coupe des cheveux crépus. Donc, il ne sait pas couper des cheveux crépus. Et moi, eh bien, j'étais obligé de lui laisser couper mes cheveux pour vraiment, parce que moi, j'en avais besoin. Je cherchais un coiffeur et je ne voulais pas aller vraiment très loin, à 5-6 km de chez moi pour couper mes cheveux. Alors, le coiffeur m'a coupé mes cheveux et il a fait plein d'erreurs. On a bien vu. Là, il est devenu un peu expert parce que ça fait 4 ans qu'il fait ce métier. Ça fait 4 ans qu'il essaie de couper mes cheveux. Donc, il a beaucoup, beaucoup appris sur ma tête. Mais généralement, il va beaucoup trop en profondeur. Même si j'ai un peu la tendance, je tends à être chauve. Mais ce n'est pas une raison. C'est que à chaque fois, il va très loin dans ma tête. Et généralement, ça me rend vraiment bizarre. Donc, j'ai cherché une coupe particulière pour lui. Je lui ai permis d'aller très loin un peu avec ce sur les côtés. Il va très loin pour rester un peu avec la forme de ma tête, même si elle est grosse. Et généralement, ça fait un peu le taf. Donc, premièrement, il n'est pas un expert pour couper des cheveux crépus, mais il a un client. Ça, c'est important pour vous aussi parce que même si vous n'êtes pas un expert, même si vous n'êtes pas un expert dans votre business, eh bien, vous aurez toujours quelqu'un qui vient vers vous, qui veut de votre service. Premièrement, parce que vous êtes seul dans votre thématique, vous êtes seul dans ce que vous faites, et cette personne va trouver un avantage considérable en faisant le travail chez vous. Quand on reprend l'exemple de mon coiffeur, eh bien, il est à 2 minutes de chez moi. Résultat, moi, je préfère aller chez lui que de faire 1 heure de route et de dépenser dans les transports pour trouver un coiffeur. Donc, résultat, je préfère aller chez quelqu'un qui ne sait pas couper les cheveux crépus pour couper mes cheveux parce que j'ai un avantage sur le temps. Deuxièmement, eh bien, même s'il est cher, parce que vraiment c'est très cher pour ce qu'il me fait comparativement à ce que je payais lorsque j'étais en Afrique, c'est très très cher. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vient qui gronde un peu au téléphone. J'espère que vous n'allez pas entendre ça. Donc pour moi, c'est mieux pour moi vraiment que ce soit lui qui coupe mes cheveux. Et c'est pareil pour votre business. Lorsque vous allez créer votre business, même si vous n'êtes pas expert, vous allez trouver des clients. Vous allez trouver des gens qui sont à côté de chez vous, des gens qui n'ont pas l'expérience que vous avez et qui auront besoin de vous. Donc, dès que vous êtes en avance sur quelqu'un, eh bien, vous pouvez lui expliquer, vous pouvez l'aider dans votre domaine. Il suffit, par exemple, lorsque je prends le domaine du business sur Internet, eh bien, il suffit de savoir installer un simple blog pour vendre cette prestation sur Internet. Donc, dès que vous savez, par exemple, que vous connaissez quelque chose, vous avez une information que des gens n'ont pas, eh bien, vous êtes déjà un expert. Vous pouvez développer votre business. Donc, vous n'avez plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas créer votre business. Prenez l'exemple de mon coiffeur qui n'est pas un expert dans la thématique cheveux crépus, mais quand même qui m'aide depuis 4 ans à couper mes cheveux. Et je vais une fois tous les mois. Une fois par mois, il va me couper mes cheveux. Une fois par mois, ça va coûter cher. Et une fois par mois, il va toucher une partie de mon argent. Donc gardez ça à l'esprit, vous n'avez pas besoin d'être expert. Et dès que vous avez dès que vous avez plus d'informations que des gens, eh bien vous pouvez déjà monter un business. Maintenant terminé, j'espère qu'elle vous a plu et surtout j'espère que vous avez compris que vous n'avez pas besoin d'être un expert pour monter votre business sur Internet ou dans n'importe quel domaine. Vous n'avez vraiment pas besoin d'être un expert. À chaque fois que vous avez plus d'informations sur des sujets, et si vous vous retrouvez avec des gens qui ont très peu d'informations dans un domaine, eh bien vous pouvez monter un business et les accompagner et leur expliquer. Maintenant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche qui est quelque part en bas de cette vidéo pour recevoir une notification à chaque fois que je fais une vidéo. Aussi,
Regardez dans la description de cette vidéo, je vous laisse un lien vers un livre que vous allez pouvoir lire, le livre Indépendance financière pour tous. C'est un livre qui a été écrit par un ami entrepreneur qui a du succès et vous allez vraiment kiffer. À la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.